Mondial Sport, leader de l'équipementier au Sénégal, vous propose encore de nouveaux blousons. Comme vous l'avez dit, blouson Adidas, donc nickel, donc unique et bien donc utiliser nous les nerfs. Donc surtout pour les équipes naïtanes, nous avons des blousons, des jeux de maillot, des corasses, des trophées, des ballons. Nous avons rapproché au Mondial Sport, donc 77 676 03 95, 77 059 99 44. Casquette sac, vous avez 5000 francs. Donc, quand vous voulez quelque chose, si vous voulez dara, nous sommes le Mondial Sport, leader de l'équipementier au Sénégal. Donc, vous avez dit, vous avez dit, vous avez bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Et aussi, mercredi, on a assisté à une belle soirée de Ligue des Champions. Donc, terrain, il y avait trois Sénégalais. On va démarrer par les Sénégalais avant une union de manière globale. Donc, Sénégalais, c'était Edouard Mendy avec Chelsea qui se déplaçait à la Juve. Il y avait Boulaye Diack qui se déplaçait à Manchester United. Et il y avait Bouna Sarr qui accueillait le Dynamo de Kiev. Donc, le premier, le dernier à gagner, c'est Bouna Sarr. Donc Bouna Sarr avec le Bayern de Munich, ils sont imposés 5 à 0 avec donc vraiment l'Armada bavaroise, intenable, impitoyable face aux Ukrainiens, l'ancien club de Rebrov et de Andriy Shevchenko, de Pape Malick Diakhaté, Diarnafa aussi, un Sénégalais, et du jeune Samba Diallo. Samba Diallo, avec les jeunes, il a marqué 3 buts en 2 matchs de Ligue des Champions. Samba Diallo, international U20, qui évolue avec les U19, la Youth League. Youth, mon jeune. Donc la Ligue des Champions des jeunes. Donc, actuellement, il brille Samba Diallo, c'est un très bon attaquant, donc formé à Darussalam. Donc, actuellement, il a 3 buts. Donc, l'autre aussi, c'est une chose à souligner. Je joue dans les grandes, donc au niveau des seniors, mais au niveau des juniors, il est exceptionnel, au niveau des espoirs. Donc, Samba Diallo, vraiment, il est promis à un très bel avenir. Donc, Bouna Sarr, Dougna remplaçant, donc il a participé à la victoire, au succès de donc du Bayern de Munich en attendant la liste d'Aliou Cissé d'après demain. Donc Bouna Sarr a eu du temps de jeu. Hier j'avais oublié, Balotelli a joué, il est rentré à la 57e minute de jeu pour renforcer le secteur défensif milanais. Donc je l'avais oublié hier, donc Nidai Fatte, donc Balotelli quand même il grappille quand même quelques minutes de jeu, il est remplaçant mais quand même il a un peu de temps de jeu. Boulaye Diack non remplaçant, il a failli marquer même donc dans un cafouillage à côté de De Gea, mais finalement Boulaye Diack Dougalou donc de l'un remontada avec un excellent Cristiano Ronaldo. Donc vraiment c'est l'homme de la Ligue des Champions, c'est le joueur le plus capé en Ligue des Champions, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts en Ligue des Champions, c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions Cristiano Ronaldo. C'est la Ligue, donc c'est la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, les grandes soirées de la Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo, c'est le trio. United, United, il manquait, le club de United manquait ce joueur plus. Au lieu d'une chose claire, prof OPS là, tout va tout l'année comme Humboldt, comme Nico, donc ça n'est pas mauvais, c'est une réalité. Mais il a fait un coaching gagnant avec les rentrées de Fred qui a centré et de Lingard qui a effectué la remise pour Cristiano Ronaldo. Lingard, Cristiano Ronaldo, mon coach d'anglais dribble. Cristiano Ronaldo n'est que Manchester United, Lingard n'est que Fletcher, centre de formation, Académie United. Cristiano Ronaldo, mon coach d'anglais, n'a rien douté. Cette fois-ci, il donne une passe à Cristiano Ronaldo qui délivre le peuple mancunien. Donc c'est pour dire que vraiment le football va vite. Et Cristiano Ronaldo, c'est le monsieur plus. Parce que Dao, à cette heure, United doit gagner. Parce qu'il n'avait pas un joueur comme United pour faire la différence, comme Cristiano Ronaldo pour faire la différence. Mais la différence entre Cristiano Ronaldo et Messi, c'est comme ça, dans les grands rendez-vous. Quand les choses sont compliquées, ils font la différence. Et ça, c'est très clair. Donc, belle victoire de United. Parce que United, il fallait que nous gagnions. Parce qu'après, Atlanta, Atlanta, c'est pas une mince affaire. Ce sont des Italiens difficiles à manœuvrer. Et avec la défaite de Young Boys de Ben, Atlanta de Coppatal, avec le champion d'Europe, Pessina, qui a marqué le seul but de la rencontre. Donc, les cartes sont redistribuées dans cette poule. Donc, United s'est bien relancé. Donc, Edouard Mendy, surprise. Parce qu'il faut que Chelsea ait gagné, surtout avec les forfaits de Dybala et de Morata. Donc, Chelsea a raté son match. Voilà, Chelsea a raté un manque de concentration. 46 minutes de jeu, Chiesa transperce la défense. Et donc, d'une passe en profondeur de Bernardeschi, il fusille Edouard Mendy. Donc, Edouard Mendy, Chelsea, deux matchs consécutifs, 2-1-0, deux défaites. Donc, Thomas Tuchel doit se réveiller. Hall aussi, donc, remobiliser ses troupes. Parce que si ça continue, manque de confiance mon nagnon, alors que Chelsea ils ont un élan beaucoup. Donc défaite de Chelsea et ça donne vraiment un bol d'air à la Juve. Juve c'est un début sur un bas, mais actuellement nous restons 0, deux matchs de Ligue des Champions, deux victoires. Donc les Turinois sont donc bien lotis en Ligue des Champions. Donc qu'est-ce qu'il y en a équipe magui pas Ligue des Champions préférée Dembou Real Sheriff Moko fait d'avoir quoi bagarre 2-1 c'est peut-être Barça et d'altica aussi pour être Real bien calme non Karim Diaye amati ata ñom Luka Modric ainsi de suite ñom mo sét mais tay ñom Ibra Cheikh Ibra ma ñu bëyo wax supporter Barça yu donc tay wa Barça ñu ay won Benfica door len j'ai fait un live avec son bête pour faire un peu les pronostics. J'avais donné l'équipe, la composition d'équipe de Benfica,
expérimenté face à une équipe du Barça qui est convalescente. Piqué doit toujours jouer Barça. Barça, il y a beaucoup de problèmes. Comment désorienter les jeunes, manquent donc de confiance ou bien d'expérience. Donc Memphis Depay commence à tergiverser Luke de Jong. C'est pas un attaquant qui peut tenir l'attaque du Barça. Donc Barça actuellement c'est une équipe moyenne. On a pour nous d'aimer gagner Benfica à des mythes, alors que Benfica, ils ont Darwin Nunez, le joueur que voulait recruter Pep Guardiola, mais qui est finalement resté à Benfica. Donc, il a réalisé un doublé, un but de Rafa Silva, international portugais. Donc, Benfica a malmené l'FC Barcelone. Malheureusement, 3 buts à 0. Actuellement, il supporte Real Union d'Altikawa à Barça. Actuellement, vraiment, c'est difficile. L'équipe de Pape Laye Camara, le grand consultant, manque de Béouba, l'équipe de Benac, dans le faveur, Barça, dans le faveur. Parce qu'on peut gagner, mais Barça, tu vois, rien pour l'équipe, la situation du club. Ils sont vraiment dans le trou. Donc il faut que le temps de faire un vous pouvez forcer la reconstruction de l'équipe. Nous avons un tempo. Donc il faut que tempo. Après, vous allez vous reconstruire. Nous aussi, nous sommes. Donc les Catalans, Mordier, donc Alpha Touré, Asensène, donc du courage. Hein. Donc les Catalans, ça va venir. Karim Diaye, Aaron Mbaou, du courage, ça va venir. Les supporters de l'FC Barcelone. Donc de même que Abdoulaye, Borom Canada, Manko Ebeye, Bou, Bahaba. Donc maintenant, le Bayern s'est imposé. Atlanta, donc ils ont aussi Zenit Saint-Pétersbourg s'est imposé hein, dans la poule de Chelsea, 4 buts à 0, match avancé. Donc ils ont vraiment. Donc c'est une Ligue des Champions très très disputée. Et ni faut les matchs non les évident ou non. Donc ça sera toujours comme ça en Ligue des Champions parce que les équipes se valent. Mais les Sénégalais taillent, donc un Sénégalais a gagné pour nous et les deux autres Sénégalais ont été battus. Moi Villarreal avec Cristiano Ronaldo, Molen Ray, Chelsea, donc Jive Mokore avec Federico Chiesa, le frère champion d'Europe. Donc hier il y avait Gana Gueye et Sadio Mané qui avait brillé. Donc les Sénégalais sont très très constants et très très donc présents dans la scène. Sur la scène européenne. Donc, espérons que demain, en Ligue Europa, donc nous sommes aussi nos Papa aussi, c'est vraiment Ludo Gores avec donc, Stéphane Badji. Donc, nous sommes à la conférence Ligue B, Stade Rennais, Alfred Gomis. Donc, il y aura beaucoup de Sénégalais en liste demain. Espérons que nous devons faire une performance au bar pour mener, donc, toujours bien représenter le drapeau Sénégal parce que nous sommes l'or, l'or et mon junior. C'est ce qui nous intéresse, le rayonnement du football sénégalais. Parce que le drapeau sénégalais, mon défaut est faible. Sur les pelouses, sur les championnats européens. Donc, il y a eu le tir, il y a eu le ragal. Mais il y a eu le tir, Cristiano Ronaldo, c'est le joueur de la Ligue des Champions. C'est l'homme des grands soirs. Et il a encore prouvé. Donc, il y a eu le tir, il y a eu le ragal. Si tu as un peu de temps, tu as un sac pour 5 kg. Il a eu double protection. Sac au tibir, il y a eu le toile pour la fête, et tu as ni toile bi rafété non la café bi yombé non la café bi nexé ah waw ngi ni dé café mbékté tiaf ka café bi nuy bégal machallah.